Avec José. José, ce soir 4 points, par contre un contenu un petit peu décevant du côté de Carcassonne face à Massy. Ouais, c'est la victoire, mais c'est pas une bonne victoire. On n'a pas bien joué la deuxième mi-temps, on a gagné beaucoup de ballons, beaucoup d'erreurs. On sent que voilà, on gagne, mais ça a été dur et ça, on n'a pas fait un bon match. Pourquoi, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cette prestation ? Manque de concentration ou c'est Massy qui vous a aussi beaucoup perturbé, notamment en allant vous chercher devant et en perturbant tous vos lancements de jeu? Wow, je pense que c'est surtout parce que c'est des matchs difficiles à jouer, parce que voilà, on n'a plus rien gagné, on joue pour le plaisir, on joue pour l'amuser, on essaie de faire un peu de jouer partout et de prendre des risques, et après ça paye. À ce niveau-là, c'est difficile quand on fait de passes 50-50, c'est compliqué. Massy aussi c'est une bonne équipe, ils sont très solides devant et ils ont une très bonne défense, donc voilà, ça, je crois que c'est le mélange des deux que ça fait qu'on n'a réussi pas à faire un très bon match. Est-ce que, malgré la victoire, derrière ça, il n'y a pas d'avertissement que si mentalement vous n'y êtes pas plus à peau, ça va être très très dur? Et... Oui, bien sûr, mais voilà, c'est comme j'ai expliqué, mais on va en peau, on va pour s'amuser. Peau, ils sont déjà champions, donc mais en tant que pro, on va gagner. On va aller là-bas essayer de jouer et de faire un bon match. Mais même si on sait que c'est dur, voilà, c'est comme ça. Il reste 2 matchs à jouer, il faut le jouer. Justement, il reste 2 matchs, et notamment à Colomiers, à la maison pour le dernier match. Là, il va falloir tout faire pour remercier le public carcassonnais et faire plaisir aux supporters. Oui, bien sûr. Là c'est comme je disais avant, si on a plus grand-chose à jouer en ce moment, on joue surtout pour les supporters, pour donner des spectacles et faire... de plaisir à qui vient au stade. Donc bien sûr on s'est dit voilà, il reste 3 matchs au moins à Mezzo, il faut gagner les 2 matchs pour remercier le supporter qui nous vient supporter pendant toute la saison. Donc bien sûr que contre Colomiers, c'est match pour gagner. Merci José. Merci.